C'est Mouchou et bienvenue à ce Mouchou Summon de avant anniversaire. Oui, vous me direz peut-être que je suis un peu fou de poule maintenant, surtout à 10 jours avant l'anniversaire. Mais voilà quoi, là cette fois-ci, ils m'ont eu, j'ai résisté sur toutes les loteries qu'il y avait. Je jouais à mes autres jeux, Tsubasa et Dragon Ball Legend, donc je poulais là-dedans justement pour pas poule sur le BBS. Bah là je craque. Je craque sur ce portail en fait, la guerre sanglante, le portail dédié à Rukia. Tout simplement parce que Rukia je l'ai pas, et que Rukia est pété en PVP. Donc ce serait pas si mal pour histoire de changer un peu ma team que j'ai habituellement, ou, parce que vous remarquerez que cette fois-ci, dans ce gacha, donc on va dire à 3%, on va dire en filler on a, donc lui que j'ai déjà, le RNG, passons. Mais voilà, le Goku Take qui revient, le fameux Goku Take que j'essaie d'avoir depuis X moult temps et qui ne tombe presque jamais. Donc là, voilà, c'est quelque part deux personnages de type PVP qui rentreront dans mon équipe. Goku Take pour rester dans le même type que je suis mais en version plus badass. Ou, la Rukia pour changer mon style à ce moment. Et là peut-être à ce moment j'enlèverai mon blue pour mettre du coup le Aizen. Oui, donc il y a plein de possibilités et donc ce gacha me fait forcément craquer. J'ai des réserves d'orbes, donc ça devrait aller. Je vais pas trop dépenser non plus. On va dire que je mets une limitation et si ça tombe pas, tant pis, j'aurais tenté. Hein. En même temps, c'est aussi pour me libérer en fait le choix parce que, comme vous savez, pour l'anniversaire, il va y avoir le gacha affinité. Et donc, voilà. De base, c'est vrai que j'avais choisi de prendre le connaissance en orange, pour avoir le Goku Take. Mais si, on va dire, je l'ai avant, du coup, je pourrais prendre un autre. Et choisir du coup plus une autre affinité qui m'intéresserait. Là par exemple je pense le vert parce que je n'ai en fin de compte pas beaucoup de persos, j'en ai mais pas tous les persos badass qu'il me faudrait pour compléter mon équipe quoi. Donc voilà où on en est. Bon, on va couler les tickets, Silver en premier. Voilà, on a fait le petit brassage, donc maintenant on va passer au pool. On fera de la multi, parce que solo, la flemme. Et là, j'envoie donc énergie, pulse, parce que faut que ça, comme on dit, faut que ça drop assez rapidement, parce que on ne doit pas dépenser trop. Allez donc, c'est parti. La vibe. Non, pourtant j'ai un bon feeling, je sais pas, aujourd'hui je pense que j'ai un bon feeling, je pense qu'il va y avoir quelque chose quoi. Je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui peut tomber, je sens qu'il y a quelque chose qui peut tomber. Là le premier il est pas tombé, mais pour le prochain ça devrait le faire. Ça ne peut que le faire quoi. Donc là, c'est la bonne. Allez. Il me le faut, il faut que ça tombe rapidement. Il le faut. Allez, Goku Take, viens voir papa. Abueruga, ore ni hokori o motasete kureta. Bon, ça fait mal, là. Ouais, là c'est... Faut de la réflexion maintenant, Parce que là, je m'étais dit, c'était sûr. Deux tirages, je m'en doutais. Maintenant, le troisième, c'était la réflexion. Dernier essai, après, j'arrête. Donc, j'espère vraiment que Mushu Spirit sera là pour donner un coup de boost et qu'on arrivera à avoir le perso béni.
誰だって大切なものを失うのは怖いものさ。ポンポンポンポンポン。C'est fait. Vous la voyez la banane? Oh. Enfin. Oh là là, mais après avoir lutté pour choper, avoir dépensé des orbes dessus. Il est enfin tombé. Je le sentais aujourd'hui. Je sais pas, j'avais le feeling dans ma tête, c'était 750, pas plus. Mais tu feras tomber quelque chose. Oh, c'est la banane. Oh. Ah, excusez-moi là, de pas avoir passé là, mais c'était en mode... Oulalalala. Le kiff. Ah, c'est le kiff. Oui, il est là. Oh. Ah, j'en tremble encore, c'était... Oh. Depuis le temps que je l'attendais, quoi. Ah ben voilà, donc finalement ma team va rester la même, donc du coup toujours avec le White Zangetsu en lead, mais sauf que maintenant il va être content le White, hein, il va être très content. Ah là là, même le reste qui est à côté c'est pas grave, il y a des choses tombées là mais c'est pas grave là maintenant. Donc voilà ce que j'ai eu donc pour 750 or, bah ce gacha Drukia. Donc là il s'est écoulé on va dire entre le moment où j'ai tiré et maintenant à peu près une petite heure. C'est pour ça que vous remarquez que le Goku Take n'est plus un simple niveau 1 en étoile 5. Il est passé 6 en niveau 200. Oui. Je pouvais pas attendre, faut pas déconner depuis le temps que j'attends lui. Donc voilà, cristaux. J'ai farmé un petit peu parce qu'en plus j'ai de la chance parce qu'aujourd'hui il y avait les silver pour le personnage. C'est vrai que j'aurais bien aimé aussi avoir la Rukia. Mais comme je l'ai dit, j'étais entre les deux. Soit je prenais la Rukia, soit j'avais la Rukia. Et à ce moment, bah, je changeais mon système de team pour pouvoir l'orienter vers elle. Donc avec bah, l'entrée de d'Aizen que j'aurais fait à ce moment, du coup, des petits changements à gauche, à droite, Natsu, enfin Unohana qui restait bien évidemment dans la team. Et ben là du coup, ben le White Zangetsu qui reste. Et comme j'ai monté tout Sekera, c'est de la balle. D'ailleurs, je vous montrerai un petit battle. Donc voilà pourquoi j'attendais ce petit Goku Take, tout simplement pour qu'il aille en link, à mon White Zangetsu. Regardez donc maintenant comment il est. Vous allez voir, il est sympathiquement sympathique. Donc équipé d'un Aori avec de l'attaque. Le Chappie, le Gold Chappie avec de l'attaque. Le Chappie normal avec de l'attaque. Et les Link, Kara Link, tous montés à 10. Et donc, bien évidemment, tous les personnages en niveau 200. Tout ça en dégâts subis. Donc un bon petit tank, comme on les aime. Et comme vous voyez, ces petites stats sont fortement sympathiques. Ouais, je les aime bien. Je pense que là, c'est ce qu'on peut faire de mieux maintenant avec... avec le White Zangetsu, quoi. Là, builder différemment, je pense pas. Je pense que c'est le meilleur build possible pour lui, là, actuellement. Donc maintenant on va voir un petit peu en test ce que ça donne. Donc voilà, je me suis dit pour le test, autant prendre une équipe assez forte aussi, qui sont on va dire en attaque moyenne similaire à la mienne. Donc là on va dire je tombais sur... voilà, les personnages en bas. Et donc on va faire le petit combat pour tester et voir ce que ça donne d'avoir le fait d'avoir Goku Take maintenant en Link sur mon White Zangetsu. Donc c'est parti. Le White va-t-il défoncer la Unohana ou la Unohana dira bah pas de problème. Apparemment les jeux sont faits. Ça a été très rapide. Comme vous l'avez vu, le White est content. Voilà, c'est ainsi que se termine notre petite vidéo là sur ce
pool miraculeux qui m'a fait happiness in the earth, you know. Donc du coup, je suis content. Et là, ça va, comme vous voyez, le Zangetsu aussi est content, quoi. Il fait, viens mon ami, rejoins-moi. Donc voilà, content, happy. Donc comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce pour tout liker. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller sur la page du Mushu World en Facebook ou au Twitter, puisque je balance des informations aussi bien sur Bleach que sur les autres jeux auxquels je joue. Vous pouvez soutenir la chaîne en allant sur le Tipeee, bien évidemment, le classique, hein, où on peut faire des dons. Donc n'hésitez pas à y aller, même faire un petit tour déjà pour vous rendre compte de ce que c'est, quoi. Et bien évidemment, prochaine vidéo, enfin, côté Bleach, ce sera sûrement pour, à mon avis, les 3 ans. Ouais, je pense que là, on va rester sage, garder, remettre un peu d'orbe dans le compteur, parce que bon, un quart d'orbe, c'est pas suffisant, comme vous le savez. Donc là, je suis reparti, je vous dis, j'ai déjà 500 orbes... si ce n'est plus ce qui est déjà stocké derrière, donc voilà quoi, plus le Goku Take que là je viens de monter, donc ça me fait encore des armes en plus. Tout va bien. Sur ce, Mushu vous dit tchou.